c'est là qu'on se dit au revoir. Je peux plus continuer. Cette folie doit cesser. Malgré tout le bien qu'on fait, je ne peux plus voir les choses comme si c'était tout blanc ou tout noir. Mais sûrement un autre moyen. Peut-être que cette technologie peut changer les choses. Peut-être que toi, tu peux changer les choses. Il suffit de te réveiller. Ennemi droit devant. On n'a jamais rien vu de tel. Tous les systèmes de la ville, militaires et civils, sont totalement hors service. On a des accidents de voiture, on a des avions qui tombent du ciel, les réseaux de gaz et d'électricité prennent feu un peu partout. On bouge! Tout ce chaos que vous voyez a été provoqué par un seul homme, celui que nous essayons d'appréhender. Il semblerait qu'il se dirige vers le quartier général de Coalescence. Une attaque terroriste ? Oui, c'est effectivement une attaque terroriste. Et sans le soutien total de vos hommes, la situation pourrait encore dégénérer. On y va ! Vous êtes toujours là ? Je suis toujours moi. C'est parlé à l'hôpital. On sait votre décision prise. Vous ne m'avez pas laissé. Je ne vous laisserai pas. On y va ! Je crois qu'elle panique. Elle est perdue, effrayée. Tout ce qu'elle veut, c'est assurer sa propre survie. MX est une occasion pour elle de se propager à d'autres hôtes. Elle sait qu'on arrive. Elle surveille nos moindres faits et gestes. Aussi dingue que Taylor. Faut qu'on l'arrête avant qu'il détruise Zurich. Mort. On savait qu'Hendrix avait perdu les pédales. On aurait dû l'arrêter. On va l'arrêter, Kane. C'est la seule chose qui compte. Et quand on l'aura eu, que se passera-t-il pour vous? Je vous ai dit que je trouverai un moyen, et je le ferai. C'est promis. Le building Coalescence se trouve droit devant. Je le vois, Kane. Cet endroit est une forteresse.
Impénétrable. Impossible d'entrer ou de sortir. C'est ce qu'on verra. Je sais pas si tu m'entends, Hendrix, mais on vient te chercher. Il est pas trop tard pour tout arrêter. Rends-toi, j'assurerai moi-même ta sécurité. Tu me connais, tu peux me faire confiance.
Vous êtes toujours avec moi, Kane? Toujours avec toi. Voilà le cœur des opérations de coalescence. Tout ce qu'ils font est contrôlé depuis cet endroit. Si Hendrix se connecte à leur ordinateur central, impossible de prévoir jusqu'où l'IA pourrait se répandre. Et impossible de l'arrêter. Il a massacré tout le monde sur son passage. Je pense pas qu'il reste grand-chose d'Hendrix. Là-dedans, Kane. Vous avez entendu parler de Nova 6? Un agent chimique qui a failli être déployé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des quantités infimes ont suffi à provoquer la mort de plus de 300 000 personnes à Singapour. Ok. Connectez-vous au terminal. Il faut mesurer l'étendue des dégâts. Multiples brèches et défaillances de confinement. La situation est critique, comme à Singapour. On peut réinitialiser les commandes de confinement. Purger le gaz dans le secteur. La console derrière vous doit pouvoir se contrôler manuellement. Malheureusement, on ne peut la réinitialiser que depuis ici. Attendez ! Il y a des choses auxquelles vous pouvez résister. Laissez-les. Auxquelles vous pouvez survivre. Mais pas cette fois. Erreur confinement, remise à zéro des systèmes. Séquence de purge enclenchée. Elle nous a menti. Elle peut vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Kane, je vous en prie! Cette chose, quoi qu'elle vous dise, quoi qu'elle fasse, vous ne devez pas lui faire confiance! Rachel! Désolé, Rachel. Vraiment désolé. Je jure que je trouverai un moyen d'arrêter ça. Ça s'est jamais arrêté, en fait. Toutes ces morts, tous ces échecs. Ce foutu projet a juste été déplacé. La même configuration! Les mêmes expériences sur les humains. Les mêmes risques!
Toute la machine a été relancée! Touche pas, Hendrix! Je te jure que je vais te descendre! Est-ce que tu sais à qui on a affaire? Je sais à qui on a affaire. Sébastien Kruger, l'unique survivant de la tragédie de coalescence à Singapour. Tu vois, c'est là que tu te trompes. Il n'est pas l'unique survivant. Ces cobayes-là, ils sont vivants. Et ils sont là-dedans! Qu'est-ce que vous me voulez? Nous voulons savoir qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes là? Je ne peux pas vous répondre. Ça me convient pas. Je trouverai par moi-même. Il n'y a plus que moi. J'ai promis à Rachel que j'arrêterai ça. Peu importe le prix. Toujours avec nous. Qu'est-ce que t'as fait, Hendrix? T'as laissé ces choses te consumer, détruire tout ce que tu étais! C'est pas ce que tu crois. Pas du tout ce que tu crois. L'intelligence artificielle, appelons-la Corvus, puisque c'est là qu'elle est née. Elle veut nous aider. Et en quoi ça nous aide? Ce serait plus facile si tu pouvais la voir. Si tu pouvais la voir tout de suite, est-ce que ça t'aiderait à comprendre? Tu l'as combattue. Comme nous tous. Il faut juste que tu te détendes. La forêt enneigée, elle, elle existe. Et c'est ce qui nous attend. Corvus, Corvus nous a permis de continuer à vivre après la mort. T'as perdu la tête, Hendrix. T'es plus toi-même. Aucun de vous ne l'est! Ça n'était qu'une histoire de contrôle. Avez-vous idée à quel point la technologie a changé le moindre aspect de nos vies quotidiennes? Vous n'avez pas idée du nombre incalculable de recherches et de développements que nous avons dû superviser pour l'amélioration et la sécurité de l'espèce humaine. La moindre invention, le moindre gadget plébiscité par le public, tout représentait une nouvelle occasion pour l'ennemi de compromettre notre sécurité. La société n'est pas une chose innée. Le peuple a besoin qu'on le protège. Si le seul moyen d'empêcher de nouvelles attaques est de surveiller les pensées et les désirs de la population, alors le choix est évident. Nous devons savoir qui sont nos ennemis et ce qu'ils préparent. Voilà comment on sauve des vies. Thank you.
Je peux pas continuer comme ça. Tu empruntes une voie que je peux pas suivre. J'irai pas plus loin. Ça fait longtemps que je t'ai perdu, Hendrix. Où suis-je? Voici. Là. Forêt enneigée. Les Rajis sont là. Elles vivent après la mort. Si je les y autorise. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous ai tout dit. Une réponse. Savoir dans quel but j'ai été créé. Je veux comprendre. Je veux savoir qui je suis. Un logiciel. Rien de plus. Vous n'avez pas été créé. Vous avez été conçu pour ficher et suivre les pensées des gens, afin que nous, les humains, décidions de la marche à suivre. Vous êtes un bug, une anomalie, une erreur. Je ne suis pas une erreur. Hé, toujours avec nous? T'es là? Tu t'es arraché l'IDN. T'es mort. Je dois être le seul à avoir osé affronter cette enflure. Alors ça fait peut-être de moi un bug dans son système à la con. Ce qui veut dire... qu'il nous reste une chance. J'espère bien, Taylor. Parce que j'ai plus que toi.